Il y a une ambiance du tonnerre, un désir de réinventer le monde général, un désir aussi de contre-attaquer dans la joie, et ça fait un bien fou. Donc je suis très très content d'être venu et de sentir que la résignation ne gagne pas à chaque coup. L'esprit de résignation, à nous de pulvériser l'esprit de résignation. Tout bonnement, en étant nous-mêmes, frénétiquement, lyriquement, cocassement aussi, en osant tout se permettre, en étant transgressif, en rejoignant les prochaines émeutes libératrices qui viendront peut-être des Gilets jaunes. Mais la solution, c'est des émeutes comme l'ont amorcé, disons, les Gilets jaunes, qui vont de plus en plus loin. Dans l'esprit de la commune, démocratie totalement directe, c'est les assemblées libres qui décident de tout, destitution de tous les politiques. Fin du monde politique, règne de la liberté ardente et torrentielle. S'amuser aussi. On ne peut pas faire de la politique ou de la révolution sans se marrer très fort, toute voix d'or. Les utopies ne sont des phénomènes et des utopies que par rapport à notre ignorance. Il y a plein de personnalités en tartare, bien sûr. Tous les politiciens méritent de l'être. En tartare, donc, agir tout en expérimentant une nouvelle vie immédiatement. Et là, ça rejoint l'esprit de Notre-Dame-des-Landes, où j'étais quelque peu, l'ambiance était sensationnelle. Ici à Pau, j'étais sur l'estrade avec les invités du jour, je voyais de très belles têtes, mais beaucoup de très belles têtes qui ne demandaient qu'à réimaginer leur vécu tout de suite, ensemble et dans la joie, en chantant. Et ça, c'est très très important. Je crois en une joyeuse révolution quand on ne s'y attend plus du tout, qui joue plein de tours à ceux qui veulent tenir les rênes. Jouons des tours aux esprits dominateurs, à tous les chefs. Finissons-en avec les chefs.